Voilà, c'est un grand joueur, en plus de contre nous, il a souvent de la réussite. Donc, moi, je pense qu'on est une équipe qui lui réussit bien. Donc, lui, il est en confiance, par contre, lui. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un très grand joueur. C'est plusieurs années qu'on le joue, plusieurs années qu'il nous met des buts. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour l'arrêter parce que voilà, même quand il ne court pas beaucoup, le ballon lui vient dessus. Donc voilà, il faudra être encore plus vigilant qu'à l'accoutumée et essayer de le canaliser au mieux, même si ça reste très difficile parce que voilà, il arrive toujours à se faire oublier pendant une certaine partie du match et à nous mettre un but. Donc oui, franchement, c'est un peu chiant de jouer contre lui, mais on n'a pas le choix. Quand tu es omnibulé par un seul joueur, il y en a d'autres aussi. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont une force collective aussi et offensive. Non, il faut essayer d'être le plus près possible de Zlatan, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent apporter le danger. Donc on va faire pour l'embêter au maximum. Nos défenseurs vont essayer de le canaliser. Mais bon, après, je pense qu'on y avait quand même bien réussi. Et on prend quand même un penalty et un coup franc. Après, il met un but dans le jeu. Donc je pense que c'était plutôt pas mal au match aller. Donc il va falloir essayer de faire la même chose, mais en mieux.